Le talisman. Seconde partie. L'oreille croyait entendre des cris interrompus, l'esprit saisir des drames inachevés, l'œil apercevoir des lueurs mal étouffées. Enfin, une poussière obstinée avait jeté son léger voile sur tous ces objets, dont les angles multipliés et les sinuosités nombreuses produisaient les effets les plus pittoresques. L'inconnu compara d'abord ces trois salles, gorgées de civilisation, de culte, de divinités, de chefs-d'œuvre, de royauté, de débauche, de raison et de folie, à un miroir plein de facettes dont chacune représentait un monde. Après cette impression brumeuse, il voulut choisir ses jouissances, mais à force de regarder, de penser, de rêver, il tomba sous la puissance d'une fièvre due peut-être à la faim qui rugissait dans ses entrailles. La vue de tant d'existences nationales ou individuelles, attestées par ces gages humains qui leur survivaient, acheva d'engourdir les sens du jeune homme. Le désir qui l'avait poussé dans le magasin fut exaucé. Il sortit de la vie réelle, monta par degrés vers un monde idéal, arriva dans les palais enchantés de l'extase où l'univers lui apparut par bribes et en traits de feu. Comme l'avenir passa jadis flamboyant aux yeux de saint Jean dans Patmos. Une multitude de figures endolories, gracieuses et terribles, obscures et lucides, lointaines et rapprochées, se leva par masse, par myriades, par générations. L'Égypte roide, mystérieuse, se dressa de ses sables, représentée par une momie qu'enveloppait des bandelettes noires. Les pharaons ensevelissant des peuples pour se construire une tombe. Moïse, les Hébreux, le désert. Il entrevit tout un monde antique et solennel. Fraîche et suave, une statue de marbre assise sur une colonne torse et rayonnant de blancheur lui parla des mythes voluptueux de la Grèce et de l'Ionie. Ah, qui n'aurait souri comme lui de voir sur un fond rouge la jeune fille brune dansant dans la fine argile d'un vase étrusque devant le dieu Priape qu'elle saluait d'un air joyeux. En regard, une reine latine caressait sa chimère avec amour. Les caprices de la Rome impériale respiraient là tout entiers et révélaient le bain, la couche, la toilette d'une Julie indolente, songeuse, attendant son tibule. Armé du pouvoir des talismans arabes, la tête de Cicéron évoquait les souvenirs de la Rome libre et lui déroulait les pages de Tite-Live. Le jeune homme contempla Senatus Populus que Romanus. Le consul, les licteurs, les toges bordées de pourpre, les luttes du forum. Le peuple courroucé défilait lentement devant lui comme les vaporeuses figures d'un rêve. Enfin, la Rome chrétienne dominait ses images. Une peinture ouvrait les cieux. Il y voyait la Vierge Marie plongée dans un nuage d'or, au sein des anges, éclipsant la gloire du soleil, écoutant les plaintes des malheureuses auxquelles cette Ève régénérée souriait d'un air doux. En touchant une mosaïque faite avec les différentes laves du Vésuve et de l'Etna, son âme s'élançait dans la chaude et fauve Italie. Il assistait aux orgies des Borgia, courait dans les Abruzes aspirait aux amours italiennes, se passionnait pour les blancs visages aux longs yeux noirs. Il frémissait des dénouements nocturnes interrompus par la froide épée d'un mari, en apercevant une dague du Moyen Âge dont la poignée était travaillée comme l'est une dentelle, et dont la rouille ressemblait à des taches de sang. L'un de ces religions revivait dans un magot chinois coiffé de son chapeau pointu, à losanges relevé, paré de clochettes, vêtu d'or et de soie. Près du magot, une natte, jolie comme la bayadère qui s'y était roulée, exhalait encore les odeurs du sandal. Un monstre du Japon dont les yeux restaient tordus, la bouche contournée, les membres torturés, réveillait l'âme par les intentions d'un peuple qui, fatigué du beau toujours unitaire, trouve d'ineffables plaisirs dans la fécondité des laideurs. Une salière sortie des ateliers de Benvenuto Cellini le reportait au sein de la Renaissance. Aux temps où les arts et la licence fleurissaient, où les souverains se divertissaient à des supplices, où les conciles couchés dans les bras des courtisanes décrétaient la chasteté pour les simples prêtres. Il vit les conquêtes d'Alexandre sur un camé, les massacres de Pizzare dans une arquebuse à mèche, les guerres de religions échevelées, bouillantes, cruelles, au fond d'un casque. Puis les riantes images de la chevalerie sourdirent d'une armure de Milan supérieurement démasquinée. Bien fourbi, et sous la visière de laquelle brillaient encore les yeux d'un paladin. Cet océan de meubles, d'inventions, de modes, d'œuvres, de ruines, lui composait un poème sans fin. Formes, couleurs, pensées, tout revivait là. Mais rien de complet ne s'offrait à l'âme. Le poète devait achever les croquis du grand peintre qui avait fait cette immense palette où les innombrables accidents de la vie humaine étaient jetés à profusion, avec dédain. Après s'être emparé du monde, après avoir contemplé des pays, des âges, des règnes, le jeune homme revint à des existences individuelles. Il se repersonifia, s'empara des détails en repoussant la vie des nations comme trop accablante pour un seul homme. Là dormait un enfant en cire, sauvé du cabinet de Ruich. Et cette ravissante créature lui rappelait les joies de son jeune âge. Au prestigieux aspect du pagne virginal de quelques jeunes filles d'Otaïti, sa brûlante imagination lui peignait la vie simple de la nature, la chaste nudité de la vraie pudeur, les délices de la paresse si naturelles à l'homme, toute une destinée calme au bord d'un ruisseau frais et rêveur, sous un bananier, qui dispensait une manne savoureuse, sans culture. Mais tout à coup, il devenait corsaire et revêtait la terrible poésie empreinte dans le rôle de l'ara, vivement inspirée par les couleurs nacrées de mille coquillages, exaltée par la vue de quelques madrépores qui sentaient le varech, les algues et les ouragans atlantiques. Admirant plus loin les délicates miniatures, les arabesques d'azur et d'or qui enrichissaient quelques précieux missels manuscrits, il oubliait les tumultes de la mer. Mollement balancé dans une pensée de paix, il épousait de nouveau l'étude et la science, souhaitait la grasse vie des moines exemptes de chagrin, exemptes de plaisir, et se couchait au fond d'une cellule, en contemplant par sa fenêtre en ogive les prairies, les bois, les vignobles de son monastère. Devant quelques teniers, il endossait la casaque d'un soldat ou la misère d'un ouvrier. Il désirait porter le bonnet sale et enfumé des flamands, s'enivrait de bière, jouait aux cartes avec eux. Et souriait à une grosse paysanne d'un attrayant en bon point. Il grelottait en voyant une tombée de neige de Mieris ou se battait en regardant un combat de Salvatore Rosa. Il caressait un Tom hawk d'Illinois et sentait le scalpel d'un cherokee qui lui enlevait la peau du crâne. Émerveillé à l'aspect d'un rebec, il le confiait à la main d'une châtelaine dont il écoutait la romance mélodieuse en lui déclarant son amour, le soir auprès d'une cheminée gothique, dans la pénombre où se perdait un regard de consentement. Il s'accrochait à toutes les joies, saisissait toutes les douleurs, s'emparait de toutes les formules d'existence en éparpillant si généreusement sa vie et ses sentiments sur les simulacres de cette nature plastique et vide, que le bruit de ses pas retentissait dans son âme comme le son lointain d'un autre monde, comme la rumeur de Paris arrive sur les tours de Notre-Dame. En montant l'escalier intérieur qui conduisait aux salles situées au premier étage, il vit des boucliers votifs, des panoplies, des tabernacles sculptés, des figures en bois pendues au mur, posées sur chaque marche. Poursuivi par les formes les plus étranges, par des créations merveilleuses assises sur les confins de la mort et de la vie, il marchait dans les enchantements d'un songe. Enfin, doutant de son existence, il était comme ces objets curieux, ni tout à fait morts, ni tout à fait vivants. Quand il entra dans les nouveaux magasins, le jour commençait à pâlir. Mais la lumière semblait inutile aux richesses resplendissantes d'or et d'argent qui s'y trouvaient entassées. Les plus coûteux caprices de dissipateurs morts sous des mansardes, après avoir possédé plusieurs millions, étaient dans ce vaste bazar des folies humaines. Une écritoire payée cent mille francs et rachetée pour cent sous, gisait auprès d'une serrure à secret dont le prix aurait suffi jadis à la rançon d'un roi. Là, le génie humain apparaissait dans toutes les pompes de sa misère, dans toute la gloire de ses petitesses gigantesques. Une table d'ébène, véritable idole d'artiste, sculptée d'après les dessins de Jean Goujon et qui coûta jadis plusieurs années de travail, avait été peut-être acquise au prix du bois à brûler. Des coffrets précieux, des meubles faits par la main des fées y étaient dédaigneusement amoncelés. Vous avez des millions ici s'écria le jeune homme en arrivant à la pièce qui terminait une immense enfilade d'appartements dorés et sculptés par des artistes du siècle dernier. Dites des milliards répondit le gros garçon joufflu. Mais ce n'est rien encore. Montez au troisième étage et vous verrez. L'inconnu suivit son conducteur et parvint à une quatrième galerie où successivement passèrent devant ses yeux fatigués plusieurs tableaux de poussins, une sublime statue de Michel-Ange, quelques ravissants paysages de Claude Lorrain, un Gérard Dao qui ressemblait à une page de Sterne, des Rembrandt, des Murillo, des Velázquez sombres et colorés comme un poème de Lord Byron. Puis des bas-reliefs antiques, des coupes d'agate, des onyx merveilleux. Enfin, c'étaient des travaux à dégoûter du travail. Des chefs-d'œuvre accumulés à faire prendre en haine les arts et à tuer l'enthousiasme. Il arriva devant une vierge de Raphaël, mais il était là de Raphaël. Une figure de corrège qui voulait un regard ne l'obtint même pas. Un vase inestimable en porphyre antique et dont les sculptures circulaires représentaient de toutes les priapées romaines la plus grotesquement licencieuse, délice de quelques corines, eut à peine un sourire. Il étouffait sous les débris de cinquante siècles évanouis. Il était malade de toutes ses pensées humaines, assassiné par le luxe et les arts, oppressé par ces formes renaissantes qui, pareilles à des monstres enfantés sous ses pieds par quelques malins génies, lui livraient un combat sans fin. Semblable en ses caprices à la chimie moderne qui résume la création par un gaz, l'âme ne compose-t-elle pas de terribles poisons par la rapide concentration de ses jouissances, de ses forces ou de ses idées Beaucoup d'hommes ne périssent-ils pas sous le foudroiement de quelque acide moral, soudainement épandu dans leur être intérieur Que contient cette boîte demanda-t-il en arrivant à un grand cabinet, dernier monceau de gloire, d'efforts humains, d'originalité, de richesse, parmi lesquels il montra du doigt une grande caisse carrée, construite en acajou, suspendue à un clou par une chaîne d'argent. Ah, monsieur en a la clé dit le gros garçon avec un air de mystère. Si vous désirez voir ce portrait, je me hasarderai volontiers à le prévenir. Vous hasardez reprit le jeune homme. Votre maître est-il un prince Mais je ne sais pas, répondit le garçon. Ils se regardèrent pendant un moment, aussi étonnés l'un que l'autre. L'apprenti interpréta le silence de l'inconnu comme un souhait, et le laissa seul dans le cabinet. Vous êtes-vous jamais lancé dans l'immensité de l'espace et du temps en lisant les œuvres géologiques de Cuvier Emporté par son génie, avez-vous plané sur l'abîme sans borne du passé, comme soutenu par la main d'un enchanteur En découvrant de tranche en tranche, de couche en couche, sous les carrières de Montmartre ou dans les schistes de l'Oural, ces animaux dont les dépouilles fossilisées appartiennent à des civilisations antédiluviennes, l'âme est effrayée d'entrevoir des milliards d'années, des millions de peuples que la faible mémoire humaine que l'indestructible tradition divine ont oublié, et dont la cendre, poussée à la surface de notre globe, y forme les deux pieds de terre qui nous donnent du pain et des fleurs. Cuvier n'est-il pas le plus grand poète de notre siècle Lord Byron a bien reproduit par des mots quelques agitations morales, mais notre immortel naturaliste a reconstruit des mondes avec des eaux blanchies, a rebâti comme Cadmus des cités avec des dents. À repeupler mille forêts de tous les mystères de la zoologie avec quelques fragments de houille, à retrouver des populations de géants dans le pied d'un mammouth. Ces figures se dressent, grandissent et meublent des régions en harmonie avec leur stature colossale. Il est poète avec des chiffres, il est sublime en posant un zéro près d'un sept. Il réveille le néant sans prononcer des paroles grandement magiques. Il fouille une parcelle de gypse, y aperçoit une empreinte et vous crie Voyez Soudain les marbres s'animalisent, la mort se vivifie, le monde se déroule. Après d'innombrables dynasties de créatures gigantesques, après des races de poissons et des clans de mollusques, arrive enfin le genre humain, produit dégénéré d'un type grandiose, brisé peut-être par le Créateur. Échauffés par son regard rétrospectif, ces hommes chétifs, nés d'hier, peuvent franchir le chaos. Entonner un hymne sans fin et se configurer le passé de l'univers dans une sorte d'apocalypse rétrograde. En présence de cette épouvantable résurrection due à la voix d'un seul homme, la miette dont l'usufruit nous est concédé dans cet infini sans nom, commun à toutes les sphères et que nous avons nommé le temps, cette minute de vie nous fait pitié. Nous nous demandons, écrasés que nous sommes sous tant d'univers en ruine, à quoi bon nos gloires, nos haines, nos amours et si, pour devenir un point intangible dans l'avenir, la peine de vivre doit s'accepter Déracinés du présent, nous sommes morts jusqu'à ce que notre valet de chambre entre et vienne nous dire ⁇ Madame la comtesse a répondu qu'elle attendait monsieur ⁇ Les merveilles dont l'aspect venait de présenter au jeune homme toute la création connue mirent dans son âme l'abattement que produit chez le philosophe la vue scientifique des créations inconnues. Il souhaita plus vivement que jamais de mourir. Et tomba sur une chaise curule en laissant errer ses regards à travers les fantasmagories de ce panorama du passé. Les tableaux s'illuminèrent, les têtes de vierges lui sourirent, et les statues se colorèrent d'une vie trompeuse. À la faveur de l'ombre, et mises en danse par la fiévreuse tourmente qui fermentait dans son cerveau brisé, ses œuvres s'agitèrent et tourbillonnèrent devant lui. Chaque magot lui jeta sa grimace. Les yeux des personnages représentés dans les tableaux remuèrent en pétillant. Chacune de ces formes frémit, sautilla, se détacha de sa place, gravement, légèrement, avec grâce ou brusquerie, selon ses mœurs, son caractère et sa contexture. Ce fut un mystérieux sabbat digne des fantaisies entrevues par le docteur Faust sur le Broken. Mais ces phénomènes d'optique, enfantés par la fatigue, par la tension des forces oculaires ou par les caprices du crépuscule, ne pouvait effrayer l'inconnu. Les terreurs de la vie étaient impuissantes sur une âme familiarisée avec les terreurs de la mort. Il favorisa même par une sorte de complicité railleuse les bizarreries de ce galvanisme moral dont les prodiges s'accouplaient aux dernières pensées qui lui donnaient encore le sentiment de l'existence. Le silence régnait si profondément autour de lui que bientôt il s'aventura dans une douce rêverie dont les impressions, graduellement noires, suivirent de nuance en nuance, et comme par magie, les lentes dégradations de la lumière. Une lueur prête à quitter le ciel ayant fait reluire un dernier reflet rouge en luttant contre la nuit, il leva la tête, vit un squelette à peine éclairé qui le montra du doigt, et pencha dubitativement le crâne de droite à gauche, comme pour lui dire ⁇ Les morts ne veulent pas encore de toi ⁇ En passant la main sur son front pour en chasser le sommeil, le jeune homme sentit distinctement un vent frais produit par je ne sais quoi de velu qui lui effleura les joues et frissonna. Les vitres ayant retenti d'un claquement sourd, il pensa que cette froide caresse digne des mystères de la tombe lui avait été faite par quelque chauve-souris. Pendant un moment encore, les vagues reflets du couchant lui permirent d'apercevoir indistinctement les fantômes par lesquels il était entouré. Puis toute cette nature morte s'abolit dans une même teinte noire. La nuit, l'heure de mourir, était subitement venue. Il s'écoula dès ce moment un certain laps de temps pendant lequel il n'eut aucune perception claire des choses terrestres, soit qu'il se fût enseveli dans une rêverie profonde, soit qu'il eût cédé à la somnolence provoquée par ses fatigues et par la multitude des pensées qui lui déchiraient le cœur. Tout à coup, il crut avoir été appelé par une voix terrible et tressaillit comme lorsqu'au milieu d'un brûlant cauchemar, nous sommes précipités d'un seul bond dans les profondeurs d'un abîme. Il ferma les yeux. Les rayons d'une vive lumière l'éblouissaient. Il voyait briller au sein des ténèbres une sphère rougeâtre dont le centre était occupé par un petit vieillard qui se tenait debout et dirigeait sur lui la clarté d'une lampe. Il ne l'avait entendu ni venir, ni parler, ni se mouvoir. Cette apparition eut quelque chose de magique. L'homme le plus intrépide, surpris ainsi dans son sommeil, aurait sans doute tremblé devant ce personnage extraordinaire qui semblait être sorti d'un sarcophage voisin. La singulière jeunesse qui animait les yeux immobiles de cette espèce de fantôme empêchait l'inconnu de croire à des effets surnaturels. Néanmoins, pendant le rapide intervalle qui sépara sa vie somnambulique de sa vie réelle, il demeura dans le doute philosophique recommandé par Descartes et fut alors, malgré lui, sous la puissance de ces inexplicables hallucinations dont les mystères sont condamnés par notre fierté ou que notre science impuissante tâche en vain d'analyser. Figurez-vous un petit vieillard sec et maigre, vêtu d'une robe en velours noir, serré autour de ses reins par un gros cordon de soie. Sur sa tête, une calotte en velours également noire laissait passer de chaque côté de la figure les longues mèches de ses cheveux blancs et s'appliquait sur le crâne de manière à rigidement encadrer le front. La robe ensevelissait le corps comme un vaste linceul et ne permettait de voir d'autres formes humaines qu'un visage étroit et pâle. Sans le bras décharné qui ressemblait à un bâton sur lequel on aurait posé une étoffe et que le vieillard tenait en l'air pour faire porter sur le jeune homme, toute la clarté de la lampe, le visage aurait paru suspendu dans les airs. Une barbe grise et taillée en pointe cachait le menton de cet être bizarre et lui donnait l'apparence de ces têtes judaïques qui servent de types aux artistes quand ils veulent représenter Moïse. Les lèvres de cet homme étaient si décolorées, si minces, qu'il fallait une attention particulière pour deviner la ligne tracée par la bouche dans son blanc visage. Son large front ridé, ses joues blêmes et creuses, la rigueur implacable de ses petits yeux verts dénués de cils et de sourcils, pouvaient faire croire à l'inconnu que le peseur d'or de Gérard Dao était sorti de son cadre. Une finesse d'inquisiteur, trahie par les sinuosités de ses rides et par les plis circulaires dessinés sur ses tempes, accusait une science profonde des choses de la vie. Il était impossible de tromper cet homme qui semblait avoir le don de surprendre les pensées au fond des cœurs les plus discrets. Les mœurs de toutes les nations du globe et leur sagesse se résumaient sur sa face froide, comme les productions du monde entier se trouvaient accumulées dans ses magasins poudreux. Vous y auriez lu la tranquillité lucide d'un Dieu qui voit tout, ou la force orgueilleuse d'un homme qui a tout vu. Un peintre aurait, avec deux expressions différentes et en deux coups de pinceau, fait de cette figure une belle image du Père Éternel, ou le masque ricaneur du Méphistophélès, car elles se trouvait tout ensemble une suprême puissance dans le front et de sinistres railleries sur la bouche. En broyant toutes les peines humaines sous un pouvoir immense, cet homme devait avoir tué les joies terrestres. Le moribond frémit en pressentant que ce vieux génie habitait une sphère étrangère au monde où il vivait seul, sans jouissance, parce qu'il n'avait plus d'illusions, sans douleur, parce qu'il ne connaissait plus de plaisir. Le vieillard se tenait debout, immobile, inébranlable comme une étoile au milieu d'un nuage de lumière. Ses yeux verts, pleins de je ne sais quelle malice calme, semblaient éclairer le monde moral comme sa lampe illuminait ce cabinet mystérieux. Tel fut le spectacle étrange qui surprit le jeune homme au moment où il ouvrit les yeux, après avoir été bercé par des pensées de mort et de fantasques images. S'il demeura comme étourdi, s'il se laissa momentanément dominer par une croyance digne d'enfants qui écoutent les contes de leurs nourrices, il faut attribuer cette erreur au voile étendu sur sa vie et sur son entendement par ses méditations, à l'agacement de ses nerfs irrités, au drame violent dont les scènes venaient de lui prodiguer les atroces délices contenues dans un morceau d'opium. Cette vision avait lieu dans Paris, sur le quai Voltaire, au XIXe siècle, temps et lieu où la magie devait être impossible. Voisin de la maison où le dieu de l'incrédulité française avait expiré, disciple de Galussac et d'Arago, contempteur des tours de gobelets que font les hommes du pouvoir, L'inconnu n'obéissait sans doute qu'aux fascinations poétiques dont il avait accepté les prestiges et auxquelles nous nous prêtons souvent comme pour fuir de désespérantes vérités, comme pour tenter la puissance de Dieu. Il trembla donc devant cette lumière et ce vieillard, agité par l'inexplicable pressentiment de quelque pouvoir étrange. Mais cette émotion était semblable à celle que nous avons tous éprouvée devant Napoléon ou en présence de quelque grand homme brillant, de génie et revêtu de gloire. Monsieur désire voir le portrait de Jésus-Christ peint par Raphaël lui dit courtoisement le vieillard d'une voix dont la sonorité claire et brève avait quelque chose de métallique. Et il posa la lampe sur le fût d'une colonne brisée, de manière à ce que la boîte brune reçût toute la clarté. Au nom religieux de Jésus-Christ et de Raphaël, il échappa au jeune homme un geste de curiosité, sans doute attendu par le marchand qui fit jouer un ressort. Soudain, le panneau d'acajou glissa dans une rainure, tomba sans bruit et livra la toile à l'admiration de l'inconnu. À l'aspect de cette immortelle création, il oublia les fantaisies du magasin, les caprices de son sommeil, redevint homme, reconnut dans le vieillard une créature de chair, bien vivante, nullement fantasmagorique. Et revécu dans le monde réel. La tendre sollicitude, la douce sérénité du divin visage influèrent aussitôt sur lui. Quelques parfums épanchés des cieux dissipa les tortures infernales qui lui brûlaient la moelle des os. La tête du Sauveur des hommes paraissait sortir des ténèbres figurées par un fond noir. Une auréole de rayons étincelait vivement autour de sa chevelure, d'où cette lumière voulait sortir. Sous le front, sous les chairs, il y avait une éloquente conviction qui s'échappait de chaque trait par de pénétrantes effluves. Les lèvres vermeilles venaient de faire entendre la parole de vie, et le spectateur en cherchait le retentissement sacré dans les airs, il en demandait les ravissantes paraboles au silence, il écoutait dans l'avenir, la retrouvait dans les enseignements du passé. L'évangile était traduit par la simplicité calme de ces adorables yeux où se réfugiaient les âmes troublées. Enfin, la religion se lisait tout entière en un suave et magnifique sourire qui semblait exprimer ce précepte où elle se résume Aimez-vous les uns les autres. Cette peinture inspirait une prière, recommandait le pardon, étouffait l'égoïsme, réveillait toutes les vertus endormies. Partageant le privilège des enchantements de la musique, L'œuvre de Raphaël vous jetait sous le charme impérieux des souvenirs, et son triomphe était complet. On oubliait le peintre. Le prestige de la lumière agissait encore sur cette merveille. Par moments, il semblait que la tête s'élevât dans le lointain, au sein de quelques nuages. J'ai couvert cette toile de pièces d'or, dit froidement le marchand. Eh bien, il va falloir mourir s'écria le jeune homme qui sortait d'une rêverie dont la dernière pensée l'avait ramené vers sa fatale destinée, en le faisant descendre par d'insensibles déductions d'une dernière espérance à laquelle il s'était attaché. Ah ah. J'avais donc raison de me méfier de toi, répondit le vieillard en saisissant les deux mains du jeune homme qu'il serra par les poignets dans l'une des siennes, comme dans un étau. L'inconnu sourit tristement de cette méprise, et dit d'une voix douce. Eh, hey, monsieur, ne craignez rien, il s'agit de ma vie et non de la vôtre. Pourquoi n'avouerais-je pas une innocente supercherie reprit-il après avoir regardé le vieillard inquiet. En attendant la nuit, afin de pouvoir me noyer sans esclandre, je suis venu voir vos richesses. Qui ne pardonnerait ce dernier plaisir à un homme de science et de poésie Le soupçonneux marchand examina d'un œil sagace le morne visage de son faux chaland, tout en l'écoutant parler. Rassuré bientôt par l'accent de cette voix douloureuse, ou lisant peut-être dans ses traits décolorés les sinistres destinées qui naguère avaient fait frémir les joueurs, il lâcha les mains. Mais par un reste de suspicion qui révéla une expérience au moins centenaire, il étendit nonchalamment le bras vers un buffet comme pour s'appuyer, et dit en y prenant un stylet Êtes-vous depuis trois ans surnuméraire au trésor sans y avoir touché de gratification L'inconnu ne put s'empêcher de sourire en faisant un geste négatif. Votre père vous a-t-il trop vivement reproché d'être venu au monde ou bien êtes-vous déshonoré Si je voulais me déshonorer, je vivrais. Avez-vous été sifflé au funambule Ou vous trouvez-vous obligé de composer des flonflons pour payer le convoi de votre maîtresse N'auriez-vous pas plutôt la maladie de l'or Voulez-vous détrôner l'ennui Enfin, quelle erreur vous engage à mourir ne cherchez pas le principe de ma mort dans les raisons vulgaires qui commandent la plupart des suicides. Pour me dispenser de vous dévoiler des souffrances inouïes et qu'il est difficile d'exprimer en langage humain, je vous dirai que je suis dans la plus profonde, la plus ignoble, la plus perçante de toutes les misères. Et, ajouta-t-il d'un ton de voix dont la fierté sauvage démentait ses paroles précédentes, je ne veux mendier ni secours ni consolation. Hé hey, Hé hey ces deux syllabes que d'abord le vieillard fit entendre pour toute réponse ressemblèrent au cri d'une crécelle. Puis il reprit ainsi ⁇ Sans vous forcer à m'implorer, sans vous faire rougir et sans vous donner un centime de France, un para du Levant, un tarin de Sicile, un LR d'Allemagne, une seule des sesterces ou des oboles de l'Ancien Monde, ni une piastre du nouveau, sans vous offrir quoi que ce soit en or, argent, billons, papier, billets, je veux vous faire plus riche plus puissant et plus considéré que ne peut l'être un roi constitutionnel. Le jeune homme crut le vieillard en enfance, et resta comme engourdi sans oser répondre. Retournez vous, dit le marchand en saisissant tout à coup la lampe pour en diriger la lumière sur le mur qui faisait face au portrait. Et regardez cette peau de chagrin, ajouta t-il.